La Master Chief Collection sur PC, on l'attend, on la veut, on a envie d'en savoir plus. Salut à tous, c'est Kino et je viens à vous pour un nouvel Halo News. La Master Chief Collection sur PC, on ne la présente plus. Pour rappel, malgré tout, tous les jeux présents sur la Master Chief Collection devraient débarquer au fur et à mesure sur PC. A commencer par un petit nouveau qui n'en fait pas encore partie. Je parle bien sûr ici d'Halo Reach. Avec son ajout à la MCC, tous les FPS Halo sortis sur les anciennes générations de consoles seront donc présents sur le jeu compile mais également sur PC. Nous n'avions pas eu d'informations pour nous dire quand cela allait arriver, à part un petit « plus tôt que vous ne le pensiez ». En disant cela, Microsoft souhaitait lancer sa phase de test dès le mois d'avril. Pour autant, un retard a été pris. Le gros des forces de développement sont actuellement en train de travailler sur Halo Infinite, et le développement de Halo Reach sur PC prend du temps. Ils nous ont confié quelques points qui sont encore à travailler. Ils parlent ici de donner une grande liberté de configuration des touches, de repenser l'interface pour le PC, d'ajouter des options pour centrer le réticule de visée, limiter la taille de la TH, ou régler l'accélération de la souris, et bien d'autres. Ils avaient annoncé vouloir être transparents sur l'avancée de leur travail, et ils le sont. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à attendre un peu plus d'informations sur le sujet, et surtout une date de sortie. Mais Halo, sur PC, c'est en marche, et ça c'est super cool. Pour en apprendre plus sur ce point, je vous invite à aller voir l'article en description. On se retrouve très prochainement pour plus d'Halo comme on aime. Salut à tous, et vive Halo !